lorsqu'il confie un instrument à un enfant, le luthier lui dit: il se peut qu'il te vienne d'une contrée lointaine ou d'un de tes ancêtres. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'un jour il fut joué par un prince ou un gueux, par une enfant très douée ou un homme amoureux. Combien de musiciens y ont posé leurs mains? Combien d'hommes et de femmes ont fait vibrer son âme? Tu devras le traiter tout comme un héritage, lui qui a traversé les âges sans dommage. Lorsqu'il confie un instrument à un enfant, le luthier lui dit: c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, prends-en le plus grand soin et entretiens-le bien. Pour faire danser les gens ou pour les faire rêver, il te faudra du temps pour bien le maîtriser. Que tu joues du classique ou des airs folkloriques, qu'ils deviennent ta passion ou même ta profession, tu devras le choyer comme un ami unique si tu veux pouvoir jouer la plus belle des musiques. Lorsqu'il confie un instrument à un enfant, le luthier lui dit: que ce soit dans un an ou dans bien plus longtemps, un jour arrivera, tu t'en sépareras, tu penseras à ceux qui viendront après toi, et tout aussi heureux, poser sur lui leurs doigts. Il ne t'appartient pas, et sache qu'il passera plus tard entre les mains de tant de musiciens. Tu devras leur léguer comme un précieux trésor, dis-toi qu'il sera joué longtemps après ta mort.